de rarissimes retrouvailles. Ce mardi, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, les trois enfants d'Alain Delon, ont fait une apparition remarquée à Paris pour la conférence de presse précédant la vente aux enchères d'une grande collection d'œuvres d'art de leur père, intitulée Alain Delon, 60 ans de passion. Visiblement heureux de se retrouver, les trois comédiens ont posé ensemble pour un moment familial inattendu. Plutôt discrets sur leur famille, ils se retrouvent très rarement devant les trois devant les caméras. Mais ce lundi, l'occasion était trop belle, Anthony Delon a rejoint sa demi-sœur Anouchka et son demi-frère Alain Fabien pour la conférence de presse qui concerne la collection d'œuvres d'art détenues par leur père Alain Delon et qui sera présentée aux enchères chez Bonhomme Cornette de Saint-Cyr ce jeudi. Un véritable trésor, puisque la collection Alain Delon, 60 ans de passion contient de très grands noms de l'art, Véronner, Corot, Delacroix, Millet, etc. Et est estimé à plus de 4 millions d'euros. Arrivé à Paris, rue Hoche, après avoir été présenté à l'étranger à partir d'avril, Bruxelles, New York, Hong Kong ou encore Genève, elle sera encore exposée deux jours avant la grande étape des enchères. L'occasion pour les trois enfants du comédien de redécouvrir certaines œuvres, notamment Anouchka qui s'est amusée à poser devant les pièces les plus emblématiques avant de retrouver son mari, Julien de Rime, et ses frères. Radieuse dans sa robe en cuir noir, la maman du petit Lino semblait ravie de cette petite sortie en famille pour représenter son célèbre papa. D'heureuses retrouvailles inattendues à ses côtés, ses frères avaient chacun choisi leur style vestimentaire, comme souvent, l'aîné de la famille, né de l'union entre l'acteur et Nathalie Delon, portait une veste en cuir et un jean. Son petit frère, dont la maman, comme celle d'Anouchka, est le mannequin néerlandais Rosalie van Bremen, avec quant à lui un simple t-shirt clair. Grands absents de la journée, les petits-enfants d'Alain Delon, notamment Lou et Liv, les filles d'Anthony Delon, très proches de leur grand-père, mais qui étaient très probablement prises par d'autres activités annexes. Tous les trois comédiens, comme leur illustre père, Anthony, Alain Fabien et Anouchka restent très discrets sur leur relation. En revanche, ils savent se retrouver lorsque les circonstances l'exigent, ils avaient expliqué s'être retrouvés lorsque l'acteur avait fait un AVC à l'été 2019, resserrant des liens distendus par le travail, la distance et une certaine différence d'âge. Alain Delon, quant à lui, préfère rester loin de toute sortie médiatique ces derniers mois. S'il apparaît parfois sur les photos de ses enfants sur Instagram, il passe son temps entre sa maison en Suisse et son domaine de Douchy, où il se repose et délègue les visites fatigantes, comme celle de l'exposition photo dans le sud de la France, à ses enfants. Et on lui souhaite le meilleur.